Si certains avaient encore un peu d'espoir de revoir Antoine Dupont rapidement sur les terrains, le verdict est tombé hier. Touché au niveau du visage, le capitaine du 15 de France va encore devoir patienter avant de faire son retour chez les Bleus. C'est devenu une affaire nationale et les dernières nouvelles ne sont pas franchement rassurantes. Le 21 septembre dernier, lors d'un match largement dominé par le 15 de France, Antoine Dupont a été victime d'un terrible plaquage de la part d'un joueur namibien. Sorti rapidement, il a été opéré en urgence d'une fracture au niveau de la mâchoire et depuis, tout est fait pour que le capitaine des Bleus soit remis à temps pour rejouer dans cette Coupe du Monde de rugby. À entendre le staff du sélectionneur Fabien Galthié ces derniers jours, la présence du demi de mêlée de 26 ans était même envisagée dès vendredi prochain, lors du match crucial face à l'équipe d'Italie. Un doux rêve auquel Bruno Boussagol, manager santé du 15 de France, a rapidement mis fin ce mardi 3 octobre en conférence de presse. Pour celui qui suit l'état de santé d'Antoine Dupont au jour le jour, impossible de voir la star des Bleus fouler le terrain face aux Italiens et il en a profité pour annoncer son forfait pour ce match. Un nouveau coup dur pour le joueur du Stade toulousain, qui sera remplacé au pied levé par Maxime Lucu, qui ne pensait certainement pas rejouer de la compétition. Un retour espéré pour les quarts de finale? Une mauvaise nouvelle pour Antoine Dupont, qui a donné de ses nouvelles en se voulant rassurant malgré un énorme coquard au niveau de l'œil droit. Désormais, l'objectif est clair dans la tête du grand copain d'Anthony Gelon, être présent pour le quart de finale du 15 octobre. Qui devrait certainement se jouer contre l'Afrique du Sud, l'un des favoris de cette Coupe du Monde de rugby. Le Français fait tout pour s'y tenir, mais pour cela, il faudra déjà qu'il ait l'aval du chirurgien qu'il a opéré et qu'il doit d'ailleurs voir lundi prochain. Afin qu'il lui dise s'il le pense apte à la pratique du rugby. C'est un énorme pari qu'est en train de faire le 15 de France avec son meilleur joueur. Après le forfait de Romain Ntamack juste avant la compétition, l'absence d'Antoine Dupont est un gros coup dur pour les Bleus, qui vont avoir fort à faire dès vendredi face à l'Italie.